Ah, bien nouvelle. Donc, dis donc, un jour, qu'est-ce que j'ai hâte de repartir pour ma millième tournée. Et moi, qu'est-ce que j'ai hâte de te regarder une millième fois regarder ta faire ta tournée. Bon, faut que je les fous, j'y vais les boutards. On sait jamais, il sent que le foufou l'avait du Noël. Oui, va les voir. Moi, je pense que j'ai un peu me reposer, je suis un peu fatigué. D'accord, à tout à l'heure. Neuf Noël, tu pourras me préparer des biscuits. D'accord. Alors, allons voir ce que le 8 ans me prépare. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour, Père Noël. Ma fille, vous n'avez toujours pas retrouvé ton wedding Noël? Non, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Oh, alors, je raconte donc à nouveau. Aimé, Lance Birey. Oui, c'est moi, Père Noël. Cette année, je suis revenu pour vous aider, car j'en avais envie. D'accord, les gars, c'est super. Mais où en êtes-vous par rapport au cadeau? On a presque fini, Père Noël. Il reste juste les 1000 derniers cadeaux emballés. Ok, super. Bon, je vous laisse pour que j'aille préparer vos deux. Vous allez? On sait jamais ce qui peut lui arriver. D'accord, à tout à l'heure, Père Noël. Oui, à tout à l'heure. Alors, il faut que je mette les biscuits dans le four. Et voilà, ça c'est fait. Bon, Rodolphe, je te donne une petite carotte. Et hop, voilà, fait qu'avance bon, boss, pas tout d'un coup. Oh, Woodrow, t'es déjà tout en petit. Quel combat, wa. Oh, Père Noël, vous êtes mal placé pour dire ça, quand même. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que mes misquis sont prêts? Non, Père Noël, désolé, il reste encore 40 minutes au four. Oulala, ça bête l'eau. Mais c'est pour la bonne cause, comme ça, ils seront délicieux. D'accord, il peut s'abandonner, s'il vous plaît, la bleue. Bien sûr, Père Noël. Voilà votre bouteille, Père Noël. Merci, Père Noël, vous êtes préservable. Comme toujours, depuis un millier d'années. Bon, les lutins, vous savez que si je suis ici, c'est qu'il y a une grosse urgence. Je sens que quelque chose va mal tourner cette nuit. Que quelque chose va se passer et qu'on va avoir un problème. Oh, c'est pas la première fois que vous dites ça. Il ne s'est jamais rien passé. Mais la dernière fois, j'avais 400 ans. Là, j'en ai 1000. Bon, écoutez, Gérard, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne va rien se passer cette nuit. Je l'espère bien. Mais je pense que si. Oh, Père Noël, vous avez déjà tout bu le lait. Vous voyez, vous aussi, vous êtes un sacré gourmand. Même peut-être plus que Rodolphe. Oh oui, c'est vrai. Corporal, il faut que je me préserve, sinon je vais avoir un pot. J'ai des chocolats réservés par les enfants. Oui, faites attention. Nous, il faudra donner à Rodolphe. Ah non, pas question. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a mangé du chocolat? Oui, je sais, il s'est transformé en lapin volant pendant 3 jours. Voilà, c'est pour ça qu'on va éviter cette fois-ci. D'accord. Bon, écoutez, je sais que vous voulez vraiment pas m'écouter, mais plus ça va et plus les heures passent, plus je sens qu'il va y avoir quelque chose. J'ai jamais ressenti ça. Je suis pas folle quand même. Tout se passe bien ici. Vous voulez très bien, Père Noël. Mais vous n'avez emballé aucun cadeau depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Oh, vite, faut qu'on s'y mette. On a trop discuté. Râlez, lutin. Oui, c'est vrai, désolé, Père Noël. Tant que les choses sont faites correctement, alors je ne vous dirai rien. Mais puis-je vous aider? Parce que bon, j'ai pas grand-chose à faire, là. Non, Père Noël, allez vous reposer. On va s'occuper de ça. Vous êtes bien gentil. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Père Noël. Pourquoi il ne faut rien dire au Père Noël? Ça l'inquiéterait beaucoup trop. Ok. Bon, par contre, faut vraiment qu'on s'y mette pour le cadeau. Hein. Oui, allez, c'est parti. Alors, ce cadeau-là, ce sera l'outil. Hop, je vais en prendre d'ici. Allez, hop, je vais aller emballer ça. Hop, dans le paquet. Hop, et maintenant, j'emballe ça. Et voilà, hop, un cadeau de fait. Alors, ici, ce sera un masque tigre. Hop, je vais mettre le cadeau. Et voilà. Oh, bah, ça, c'est le dernier cadeau. Et le dernier cadeau, c'est l'année, c'est un poisson. Oh, cool. Bon, je suis pas assez grand pour l'attraper. Télékinésie. Ça, dans le cadeau. Et comme chaque année, j'emballe ça. Et voilà, super. Bon, bah, on a officiellement fini. Tous les jouets restants serviront pour l'année prochaine. Et venez, si on allait faire du toboggan pour lutin. Il y a une autre urgence, là. On doit régler ce problème. Je vous dis qu'il va se passer quelque chose cette nuit. Oh, mais on s'en fiche. Je vous aurais prévenu. Hein. Bon, on y va ou pas, du coup? Oui, on y va. On va faire du toboggan pour lutin. Oui, c'est parti. Oui. Allez, à la queue le leu. Bon, je me lance. Wouhou. Youpi. Wouh. Oh, que c'est horrible. Youpi. Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé à faire des bêtises, il faut qu'on empile tous les cadeaux. C'est hyper important. Je vous rappelle que Noël, c'est demain soir. Oh, mais détends-toi un peu. Non, mais je crois que vous prenez pas très ça au sérieux, comme d'habitude. Mais toi, tu prends trop ça au sérieux. Déjà, tu me tutoies pas, tu me vouvoies. Oh, quand même. Oh, bon, allez, on s'y met. Ok, mais par contre, c'est un peu moins dur, là. Je vais essayer. Tu vois, Ange Mireille, il n'y avait pas d'urgence, c'est fait en 5 minutes. Oui, c'est vrai. Oh, super, vous avez fini. Bon, allons dormir. D'accord, Père Noël. Bonne nuit, Père Noël. Bonne nuit, lutin. Père Noël, vous est-il déjà arrivé de douter et d'avoir peur que Noël se passe mal? Oh oui, bien sûr, tous les ans. C'est déjà pas arrivé, heureusement. D'accord. Allez, on y va. Ange Mireille, veux-tu laisser la caméra, dis-moi? Oui, à vrai dire, je n'ai pas trop envie de rentrer. D'accord, tu peux dormir sur le canapé ici. Super, merci de votre part, Père Noël. Dervida, après tout ce que tu as fait pour moi, allez, je suis bonne nuit, merde. Dernière nuit avant la millième année de Noël. Bonne nuit, Père Noël. Hop, chut. Hop, chut. Je ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Bon, allez, il est temps que je dorme. Hop, Je suis la sorcière d'Halloween. Je vais détruire Noël. Oh, mais ils sont si bêtes, ces lutins.
Ils ont même pas ramassé les cadeaux des gens emballés. Bon, bah ça va être plus simple pour moi. Hop, un black and a black beast in the bristy. Disparaissez, cher cadeau. Pi, ha 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 ha, c'est trop loin facile. Oh, mais j'ai oublié. Il faut pas oublier de faire disparaître les jouets qui auraient dû servir l'année prochaine. On sait jamais, des fois qu'ils auraient pu l'utiliser pour se tamer. Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur d'Halloween. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, tu m'as pu se frotter. Et je peux savoir qu'est-ce que vous faites l'ascenseur d'Halloween? Halloween, c'est passé. Donc faire peur aux enfants, c'est plus votre période, là, en fait. Je vais rater Halloween cette année. Je vais me venger. Halloween sera à la place de Noël. Non, mais ça va pas, mais vous êtes complètement folle. Et un black cadabra, bien quand les pouces, tu te mouris. Disparaît. Orange. Non. Et voilà, hé. Bon, je vais pas enlever les jouets pour l'année prochaine. De toute façon, c'est les jeux qui n'ont pas été commandés cette année. Sinon, ils vont avoir trop de risques que c'est moi. Ils pourront me trouver trop facilement. Oh, yep, j'y vais. Un black animal, big animal, de l'importation. Oh là là là, j'ai pas créé ma tombe, mais c'est pas très beau ça. Mais oui, parce que l'argent créé, mais elle n'est pas là. Bah, vous tirez? Où sont les cadeaux? Oh non. Bonjour, Père Noël. Bonjour, Elita. Savez-vous où l'argent créé? Non, pourquoi elle est cette nuit? Oui, elle en a disparu. Et vos cadeaux aussi. C'est la pire jour là. Ou en fait, on a plus pour Noël. Comment ça, la pire pour Noël? Nous, est-ce que les jouets que personne n'a commandé? Donc, pour rien y faire, on a plus de jouets. Attendez, vous rigolez là, c'est une blague. C'est une blague de Noël. Pas que non. Non, je verrai, elle avait prédit qu'il se passerait quelque chose. Qu'est-ce qui a pu se passer alors? Je ne sais pas. Comment ça, elle avait prédit quelque chose? Elle avait prédit que Noël se passerait pas bien. Oh. Bon, je vais regarder si je trouve quelque chose dans l'île de secret Noël. Allons, on regarde. Oh, la sorcière d'Halloween. Quoi? C'est qui? Vous savez la fête cadeau avant nous là, qui a promis de faire peur aux enfants? Oui. Je crois que c'est elle qui a enlevé les cadeaux. Sachant qu'avant avoir cette année, Halloween a été anéantie. Oh, ça veut dire que c'est la fin de Noël? Non. T'as marqué que pour faire la barre et la sorcière d'Halloween, il faut prononcer cette formule. I'm like the rabbit, car les poutres of sick Halloween apparaît. Ah, mais où suis-je encore? Ha, vous avez eu comme ça, Archie? Oui. La Noël? Oui, il faut madame sur cette rue. On devrait voir mélanger les règles de cadeaux. Très loin d'ici, au pôle sud. Ah là là, le pôle sud. Oh, le pire endroit de cette planète. Ha, vous pourrez jamais retrouver vos cadeaux. Noël est fini. Ha, pas si sûr. Un black and a bar piece, calé pour cadeau, apparaît. Et regardez comme c'est magique. Hi. Non, t'es pas juste, je veux fêter Halloween, pas Noël. Vous fêterez Halloween l'année prochaine, madame. Là, c'est Noël, pour... Non, c'est pas juste. Mais de toute façon, vous avez pas réussi à faire apparaître votre rôle. Il y a que moi qui peut le faire. Pas si sûr. A black and a bar, pisse calipouf, osmirei. Et réapparaît. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ascenseur d'Halloween. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit il y a 30 secondes. Rule, je m'en vais. Ou ragassi. A black and a bar, pisse calipouf, téléportation. Il a peu débarrassé. Ouf, on a sauvé Noël. Oui, on a sauvé Noël. D'ailleurs, c'est l'heure d'aller faire ma tournée. Que s'est-il passé ici? J'ai entendu un bruit bizarre. Oui, il s'est passé quelques petits trucs. D'ailleurs, mais en Noël, je n'ai toujours pas eu mes bisques d'hier. Je vous les ai réservés pour ce soir, ça sera toujours mieux que les manger hier. Oh, super. Voilà vos biscuits. Mais il est temps que vous partiez en tournée. Oh oui, et d'attendre, puis ça tombe au tout. Annie Earth. Odeur, Falcon, s'il te plaît, faut qu'on mette un cadeau. Non, Odeur, tu n'es pas tête de mille maintenant. Allez, on y va. Super, merci mon homme, je vous mets tes cadeaux, j'arrive. Hop, je mets tous en la visibilité dans ma route. Hop, et voilà, pendant ils sont visibles. Vous êtes trop fort, Père Noël. Merci, Marie. À bientôt, Père Noël. Et relais vite. Oui. Ho, ho, ho. Oh, ciao, je suis déjà venu cette maison dernière. Oh, oui, c'est la maison de Faye Papouille. Oh, cette Halloween mérite beaucoup de cadeaux. Père Noël. Oh, tu es Roger, non? Oui, vous avez des cadeaux. Et Nicole, à demain, Roger, je peux pas que dire. Oh, dommage. Allez, va te coucher, je suis sûr que t'as envie d'en confiter des bas. Il faut pas que tu sois fatigué. Oui, c'est vrai, merci, Père Noël, je suis trop content de t'avoir rencontré. Allez, va te coucher, Rosé. Ok. Et hop, tout leur cadeau. Bon, il va se payer, allez. Montrez-nous maintenant aux deux autres façons. Ho, ho, ho. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.